Kelly! Oui, madame. Je suis en train d'aller chez la coiffeuse. Mon mari doit rentrer le soir. Donc, si tu finis ce que tu es en train de faire là, oui, tu fais la cuisine et tu ranges tout, s'il te plaît. D'accord, je madame. Je veux que tout soit bien propre avant mon retour. D'accord, madame. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, madame. Ça va? Monsieur, oui. Ma femme est là? Non, elle est sortie. Elle est allée chez la coiffeuse. Chez la coiffeuse? Oui, monsieur. Ah, donc tu es seule à la maison? Oui. Je suis en train de faire le nettoyage. Ah bon? Oui. Oh, d'accord, faut continuer. D'accord, monsieur. Kelly? Oui, monsieur. Oh, donne-moi la clé de commande. D'accord. Voilà, monsieur. Assois-toi. Toi, ce que tu fais là, c'est pas... Assois-toi, mais il faut te mettre à l'aise, donc. Tu vois, madame n'est pas à la maison. Oui, c'est à vous. Je t'ai toujours dit à cause de madame, là. Faut pas tranquille. Moi, je n'aime pas les apoutures. Elle va te faire quoi? On va, je vais juste mettre la tête dedans. On va arriver, juste la tête. Ça va rien te faire. Regarde, moi je fais ça d'habitude. Tous ceux qui viennent ici dans la maison ici, tu ne fais pas ça, ils ne restent pas. Donc tu ne veux pas rester ici. Je veux rester, j'ai besoin d'argent. Et tu as besoin d'argent, je te dis de me laisser faire. Et jusqu'à à cause de toi, maintenant je suis rentré maintenant. Ce qu'on va faire, ça ne va pas faire du mal. On va rentrer dedans. Mon futur, un seulement. Il faut oublier madame. Regarde, je veux compléter ton salaire. C'est, tu veux pas que je complète ton salaire? Monsieur, je ne peux pas. On est tout le temps seul à la maison. Chaque fois, elle sort. Et c'est à cause de toi, mener sur compris. Monsieur, sans mentir, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Non, je ne peux pas. Mais je ne veux pas de problème avec madame, monsieur. Comprenez-moi. Je ne peux pas faire ça à madame. Elle va te faire quoi? Est-ce qu'elle est là, maintenant? Je ne veux pas de problème après, monsieur. Je prie ça. Mais elle ne sait pas que je suis là, maintenant, avec toi, non? Non, monsieur, je ne peux pas. Sans mentir, je ne peux pas. Ah, donc je te parle, tu t'es levé quoi? Non, je ne peux pas. Et donc, attends, donc c'est la chose que tu as arrangée et c'est tout est comme ça? C'est la chose que tu as arrangée, c'est comme ça dans la chambre? Monsieur, j'avais... Donc c'est la télé que tu as arrangée comme ça? C'est devant vous, j'avais un... Je vais te renvoyer d'ici. Ah, oh, monsieur, pardon. Je vais te renvoyer d'ici, tu vas voir. Moi, je te parle et tu fais la tête avec moi dans la maison. D'ailleurs, j'ai dit à ma femme que tu ne peux pas rester. Oh, c'est parce que je suis malade que je suis rentré maintenant. Oui, oui. Je prends mes médicaments et dormir. Tu ne peux pas rester ici, on va te changer. Il faut nettoyer encore la télé. D'accord, monsieur. Chaque fois, c'est ce que tu fais dans la maison. Moi, je suis fatigué. J'ai mis mon doudouan là. Doudouan que je passe là, j'ai mis ça en haut. Chérie, c'est quoi? Tu es venu depuis quand? Je cherchais mon doudouan là. Doudouan. Et mon doudouan là. C'est, je suis malade. Raison. Non, je suis malade. Je suis malade, raison pour laquelle je suis rentré à la maison. C'est que. Mais je t'ai toujours dit, la fille, on doit la changer. Oui. Elle ne fait rien dans la maison. Moi, je suis fatigué d'elle-même. On va pas la changer. C'est quoi? Toutes les domestiques qui viennent et qui partent là, c'est à cause de toi. Yeah! Hein? Quand tu disparais la nuit là et que je ne te vois pas dans le lit là, c'est pas pour aller vérifier si la domestique a mis ça musiqué. Mais si elle est malade là, c'est notre problème. Il faut que je vérifie tout ça. Elle n'ira nulle part, chérie. Mon ami m'a même dit la dernière fois que tu es venu jusque chez elle pour venir la draguer. Je ne l'ai pas cru. Mais maintenant là, je vois. Est-ce que moi j'ai l'air de qui peut draguer les femmes? Moi je suis marié, non? Comment je drague une femme? Je t'ai dragué une fois.